Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis hyper contente de vous faire cette vidéo parce que je l'attendais impatiemment cette vidéo. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une sorte de unboxing haul, enfin bref. En gros j'ai reçu des colis de la marque. Donc je vais pas vous en dire beaucoup, sauf que j'avais un V60$ je crois dans Banggood. Du coup j'ai pu me prendre plein de petits trucs vu que c'était pas du tout cher. Donc j'ai pas testé, je vais le tout ouvrir avec vous, j'ai plein de colis là. Je vous fais cette vidéo parce que je voulais vous montrer ma réaction, on va dire, quand je vais ouvrir ce que j'ai pris. Je sais pas si ça va être de bonne qualité, je sais pas du tout, j'ai rien testé, donc on va tout tester ensemble, je vais tout vous dire avec vous. En tout cas, je vous laisse encore avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Donc, je vais prendre ça, donc là il y a écrit là où j'habite, donc je vais pas vous montrer ce côté. Ok, donc je me rappelle même plus de ce que j'ai pris, tellement il y en a en fait. Donc je sais pas c'est quoi ça. Bon, on va ouvrir. Je sais pas du tout c'est quoi. Ça m'étonne parce que je pense me rappeler un peu de ce que j'ai pris quand même. Alors, ah ok, oui. Donc c'est ça en fait. C'est une coque pour aller dans l'eau. Donc je vais vous dire, j'ai pas du tout confiance à ces trucs. J'en ai vu plein sur le site, donc je me dis bon bah je sais pas et tout. Je voulais pas prendre, sauf qu'en fait sur celui-là j'ai eu énormément de confiance parce que ils ont mis une vidéo test. Donc moi quand on met une vidéo test, j'ai eu plus de confiance, on va dire. Donc je vais le tester avec vous. Faut que je prépare une sorte de bassine un peu. Et vu que j'ai une piscine, et bah ce serait cool, vous voyez, genre. Donc je sais que j'en avais vu en vacances, mais je l'avais pas pris parce que je trouvais ça grave trop cher. Et vu que là il était pas trop cher. Alors je me souviens plus du tout des prix qu'il y a. Mais je vous mettrai soit sur l'écran ou dans la barre d'infos. Donc là on va enlever ce truc là, le papier. Et je vous jure j'ai trop peur hein. Donc je vais tester avec un papier hein, vous inquiétez pas. Alors instructions. Ah merde, c'est en anglais. À dire, je vais regarder si ça rentre dans mon... avec mon téléphone. J'ai pris 4S donc je sais pas. Je pense que le 5 il peut rentrer mais bon. Ok. C'est sur la vidéo, c'est, enfin vous voyez c'est bien fait, vous voyez. Donc ça m'a pas l'air de déconner. Donc vous voyez, genre c'est comme ça en gros et je peux toujours utiliser mon téléphone. Donc c'est ça qui est grave cool. Donc je vais le tester, je ramène une bassine avec de l'eau et je vais mettre du papier dedans, je peux aller tester avec mon téléphone. Mais si je mets du sopalin, vu que c'est un truc qui absorbe bien quand il y a de l'eau. Et je vous redis, donc je reviens avec une bassine d'eau. Voilà, j'ai mis de l'eau au ras-bord. Mon petit sopalin. Here. Donc prenez un sopalin pour tester parce que c'est le truc le plus absorbant pour de l'eau. Donc on va foutre ça là-dedans. Je sais que j'avais une pote en vacances, elle avait pris la même. Mais genre ça coûtait hyper cher. Et là sur le site il coûtait pas vraiment cher, donc je sais pas du tout si ça marche. Donc je préfère tester et pas avec mon iPhone. Je jure que je vais stresser au max. Hein. Je le ferme bien, je sais pas du tout s'il y a des clips quoi. Donc vous voyez, faut bien clipser hein, parce que faut bien fermer. 2, 3. Je mets toute la coque hein. Ok, donc ça fait des bulles, je sais pas si c'est normal. Je vais rester assez longtemps comme ça. J'ai vachement peur, vous savez même pas. En fait, j'ai peur que ça ne marche pas. Donc je viens ouvrir en tournant les trucs. En fait, vu que j'ai les mains, ça va pas trop le faire. En fait, ça va plus être une vidéo test de ce que j'ai reçu, mais bon. Genre. Merde, mais non. Genre le sopalin, il est pas du tout mouillé. Ou les petites gouttes de mouillé, c'est mes doigts. J'ai envie de tester avec mon téléphone, mais j'ai trop peur. Bon, venez, on teste. Non, on testera tout à l'heure. Bon, voilà, donc ça, c'est pas un fail, c'est un top, top, top. Donc j'essaierai avec mon téléphone et je vous en redirai plus dans une prochaine vidéo ou sur Snap ou quoi. Donc avec, il y avait une sorte de petite... pour l'attacher à votre cou, je pense, parce que je vois souvent des gens l'attacher avec leur cou. J'ai pris une batterie en rose, parce que j'avais une batterie, mais elle était pas oufissime. Donc je sais plus le prix, comme d'hab, je vais vous réécrire dessus. Écrit sur le papier, donc je peux pas trop vous dire ce que c'est. On dirait que c'est Noël là, genre. Dans une petite boîte comme ça, je suis sûre que c'est la batterie. J'espère que c'est ça en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une hyper grosse batterie. Waouh! En photo, je pensais pas qu'elle était aussi grosse. Donc, avec, vous avez un petit fil. Ouais, d'ailleurs.
c'est, vous savez, les trucs Samsung pour le recharger. Oh non, mais, ah non, mais c'est un truc de ouf, elle est immense. Genre, c'est pas, ça fait la taille de ma main. Ouais, je la pensais pas. Attendez, je vais la tester. Ok, donc j'ai mon câble. Je sais pas si elle est rechargée ou pas. On va tester ça. Donc, vous venez le mettre. Ok, c'est assez bizarre quand tu le rentres. Mais non, non, c'est bon. Donc là, il y a une petite loupiote. Et ça, je pense que ça va charger au max mon téléphone bien. J'avais besoin d'une grosse batterie. Eh, pardon. Et genre là, quand j'appuie sur ce bouton, ça fait quoi? Donc voilà, je la voulais en rose, du coup je l'ai pris en rose. Et elle est grave bien. Et ça, je sens, il y a, attendez, je vais vous dire, capacité 12 000 mAh. 3,7 volts. Donc ouais, je pense que c'est mieux que... Parce que la mienne était toute petite, elle faisait genre, elle faisait la moitié, vous voyez. Elle faisait ça, la mienne. Donc voilà, c'est cool, j'avais plus de batterie, donc voilà, je vais te la recharger. Cool, putain, je suis trop contente là. Ah, c'est Noël. Je sais pas c'est quoi. On regarde. De toute façon... C'est bon, je sais c'est quoi. C'est une montre. Alors, ok, elle est trop belle. Ok, elle est trop belle. Il y a toutes les couleurs, il y a rose pâle, bleu clair, machin. Il y a blanc. Quand j'ai vu blanc, j'étais grave en mode waouh. Mais je la voulais en noir. Oh mon dieu, elle est trop belle. Et voilà, elle est grave belle, putain. Et elle est darwish, ouais. Je kiffe. Hein. Je la garde pendant toute la vidéo si vous voulez. Elle est grave jolie, j'aime trop. Oh, ça reste. Bon, je le garde au poignet. Bon, ensuite je vais ouvrir ça. Celle-là. Donc celle-là, je pense que c'est l'enceinte. Ben, je pense même pas, je pense que c'est ça en fait. Je suis sûre de ça, vu la grosseur. Donc j'ai une enceinte déjà que vous avez vu dans ma vidéo, ma playlist. Sauf qu'en fait, j'en ai pas une grosse et je voulais voir une grosse et tout. Donc je suis un peu en mode... Je sais pas si je vais bien réagir parce que j'ai peur du son. Si le son il est bien ou pas. Donc on va voir ça. Je l'ai pris en bleu je crois. Ah c'est la boîte. Donc elle est comme ça. Enfin oh ouais bleu c'est bon. C'est cool. Elle a l'air trop d'art par contre. Une fois que je ferai une playlist ce sera avec ça je pense. Donc je vous en redirai des nouvelles. Je pense qu'elle a l'air bien. Maintenant à tester. Ce sera quand je serai près de ma piscine en fait. Que je l'ai pris. Coucou. Bon, je mettrai charger tout à l'heure. Ensuite, dernier truc. Donc il y en a un que j'attendais impatiemment. J'espère qu'il est bien parce que vraiment. Ouais, c'est pas ça. J'espère qu'ils sont bien la matière. Donc je vais ouvrir celui-ci, il est hyper grand mais en fait je vais le, on va dire customiser, je vais le couper parce qu'il est hyper long. Ou alors je vais le mettre dans mon pantalon mais bref, je vais le montrer. Bon alors est-ce qu'il est bien? Et franchement ça va hein. La matière elle est dark. Donc il est un peu long mais je pense que je le mettrai dans mon... Attendez venez je vais l'essayer. Et donc voilà je l'ai mis dans mon pantalon franchement et ça va la matière. J'avais peur que ce soit un peu transparent mais non ça va. Donc je fais des petits... Franchement ça va. Bon après avec un jean ça serait mieux mais... Voilà je sais pas ce que vous en pensez en caméra, je sais pas si vous voyez bien. Je prends un et franchement je suis contente, ça va. Donc je sais que je le mettrai et ça c'est cool. Voilà. Maintenant je vais ouvrir l'autre. Ici que j'ai un petit peu peur vu la matière. On verra. En tout cas il était un petit peu plus beau sur la photo je trouve la couleur. Donc voilà en fait c'est un truc et c'est croisé dans le dos. Je vais l'essayer parce que en caméra ils vont pas du tout pareil. Ok donc voilà je viens de le mettre. C'est pas un truc de ouf. C'est pas mon préféré. Bon il est un peu court et long derrière. Bon c'est pas mon préféré mais bon quand genre je sors de la piscine ou quoi bah, je peux mettre ce truc. Bon je m'attendais pas à un truc de ouf avec celui-là mais bon. Dernier article, donc celui-là c'est j'espère mon préféré. Celui-là que je m'attendais, j'attendais le plus on va dire. Donc c'est parti, j'espère que la matière elle est bien. Jésus Marie Joseph. Ok. Ok, il y a une étiquette, je me disais. Donc la marque c'est Zanzea, donc je sais pas du tout. Et j'espère qu'il me va, putain. La matière est grave bizarre. Ah non, ok. Bon, ça va. Il y avait une autre couleur un peu. C'était plus de grosses rayures blanches et après c'était noir. Donc ça va en fait, il est assez bien. J'adore celle des manches en fait. Donc je vais le porter, voir parce que j'espère qu'il est bien. Ok, donc voilà ce que ça fait. Les manches en fait, je les trouve un peu trop longues. Je suis un peu dégoûtée pour les manches par contre. Sinon, niveau portée, ça va. Bon, je vous cache pas que je suis un peu déçue. J'aurais dû peut-être prendre.
une taille un peu en dessous. Mais bon, sinon ça va encore. Bon, donc ça va encore rentrer dans le jean, ça. Mes spams préférés. Bon, donc voilà ce que ça donne. En fait, j'aime pas trop, c'est ça là. Il y a un truc comme ça qui ressort. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas pourquoi c'est là, mais bon. Il y a un peu ça qui ressort, mais sinon, en vrai, ça va. Peut-être que j'aurais dû prendre d'autres couleurs, mais bon. C'est pas grave, je vais finir ma vidéo comme ça quand même. Donc voilà, tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je trouve que j'ai eu quand même beaucoup d'articles. La marque, elle était vraiment gentille à m'envoyer tout ça. Parce que quand même, c'est beaucoup. Donc voilà, ça va en fait. Je suis pas trop. Ça va en fait, il me va bien, je trouve. Enfin, ça va, voilà. Donc voilà, j'adore la montre, waouh, et franchement ça va. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos, parce que tous les liens, tous les prix sont dans la barre d'infos. Ils ont été tellement gentils à m'envoyer ces produits que allez vraiment faire un tour sur ce site. C'est pas du tout cher et c'est vraiment bien, il y a des trucs vraiment cool. Au début je trouvais rien, sauf qu'après je me suis dit que je vais quand même rechercher, parce que j'avais vu la vidéo de Monsieur Victor, donc mon pote, et je les trouvais vraiment bien, donc c'est ce qui m'a donné l'envie de prendre. Donc voilà, ils sont vraiment agréables, et puis voilà, j'ai rien de méchant à dire, parce que franchement elle vient ce site. Donc voilà, après faites beaucoup attention aux tailles, parce que c'est des tailles chinoises. Après moi je pense que j'ai pas eu trop de problèmes, parce que tout me va. Donc voilà, j'aime bien le t-shirt au fond, comme ça va. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous. Donc j'ai tourné la vidéo des partenariats Banggood, sauf que je me suis rendu compte que je vous ai pas montré les produits Octoly, parce que j'ai reçu deux produits, mais en fait j'ai oublié de le préciser dans la vidéo. Les produits Octoly, je les avais pas reçus, je pensais les avoir reçus pendant que j'ouvrais les trucs, sauf que j'ai complètement zappé de vous le dire. Donc c'est pour ça que maintenant que j'ai les produits, je vais devoir vous en parler, parce que sinon je vais me faire engueuler par les marques. Donc voilà, donc tout d'abord je vais vite fait vous parler de ça. Donc c'est un beauty blender noir comme ça. Donc là il est plat ici et pointu ici. Donc il est tout moelleux, il est pas dur. Et quand on le remplit d'eau, il grossit genre. Donc je m'en sers pas, c'est plus pour ma mère. C'est parce que pour le fond de teint que j'ai reçu, que j'ai parlé dans une ancienne vidéo, c'est pour ça. Donc voilà, il est vraiment bien, c'est vraiment cool, parce qu'il est genre, on sent que c'est de la bonne qualité. Donc voilà. Donc si vous voulez retrouver ce petit objet, je vous mets le lien dans la barre d'infos, je vous mets le prix juste à côté des liens de la barre d'infos. Et je pense pas que c'est un truc qui coûte hyper cher. Et franchement il est bien de bonne qualité, je pense qu'il peut durer vraiment longtemps. Donc voilà pour ce produit. Ensuite j'ai reçu ce produit-ci, donc c'est celui-ci qui a mis du temps à arriver chez moi. Je sais pas pourquoi il y a eu des problèmes, du coup voilà je l'ai enfin. Donc c'est un cheveux stick intense. De la marque Clinique, comme ça là, il est un peu vert, il est rosé vers la fin. Donc voilà, c'est le numéro. Ok, donc voilà, c'est le numéro 6. J'ai galéré. Donc je vais vous montrer la couleur. Je l'ai testé sur ma main, genre, mais il est parti, c'était tout à l'heure. Vous allez reconnaître, c'est ces fameux petits trucs comme ça. J'adore la couleur en fait, je pensais pas que j'avais pris une couleur aussi foncée. Donc sur les lèvres, je trouve qu'elle rend un peu orange. Alors je pensais qu'elle était foncée, mais je pensais avoir pris une couleur claire. Donc je vous fais un petit. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est une couleur plutôt jolie. Donc c'est un truc, vous savez, c'est un crayon comme ça que vous tournez et ça grandit. Bon, je vais pas aller jusqu'à fond parce que j'ai peur qu'il se casse. Mais pour vous montrer sur mes lèvres ce que ça donne. Bon, faut pas en mettre trop non plus, parce que moi j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, ça va avoir une couleur plutôt orangée. Donc voilà, il y a plein d'autres couleurs si vous voulez les retrouver. C'est dans la barre d'infos. Ils sont pas trop chers, donc vraiment allez jeter un coup d'œil. Allez jeter aussi un coup d'œil au site Octoly, parce que c'est vraiment une super super marque. Faut vraiment avoir confiance en eux. C'est vraiment le meilleur site de partenariat avec qui j'ai fait. Parce que franchement ils envoient les produits, on n'attend pas du tout longtemps, les mails ils répondent aussitôt, c'est vraiment vraiment bien. Donc si vous voulez trouver des produits sur ce site, tout est en barre d'infos, tous les liens sont en barre d'infos, les liens pour Banggood comme pour Octoly. Donc voilà, allez vraiment jeter un coup d'œil, ce serait vraiment bête parce que c'est vraiment une super marque. Je dis pas ça parce que j'ai reçu des produits gratuits, au contraire, mais c'est vraiment parce que c'est une bonne marque qui doit être connue, parce qu'elle est hyper bien. Donc voilà, mais voilà voilà, en tout cas je vous fais de gros gros bisous. J'espère que ma longue longue vidéo vous a plu. Donc voilà, en tout cas je vous fais de gros gros bisous. Passez une bonne nuit ou une bonne journée. Moi c'est le soir quand je tourne cette vidéo. Donc voilà.